Ah ok, je commence directement. Bonjour! Un petit bonjour, ça serait plus poli de votre part quand même. Hein. Eh bien bonjour mesdames et messieurs, c'est Logan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 1 et ma première impression c'est oh putain que c'est beau bordel de merde! C'est de mon langage, désolé mais... Oh là là, oh là là, oh là là, je suis sur PC, je suis sur PC. C'est beau, tout est beau, mais c'est trop beau! Allez, faut tirer, on y va! Yaaaaah! Oh là là, oh là là, oh je kiffe. Regardez-moi ça! Regardez-moi ça. Donc c'est la guerre, ok, et moi je suis en train de regarder des arbres et des graphismes juste exceptionnels. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Je vais nous sortir de là. Je m'appelle Logan. Non, je sais même pas comment on s'appelle en fait. Je sais même pas comment on s'appelle. On arrive comme ça en plein champ de bataille. Donc c'est le prologue. C'est le prologue, j'ai lancé le jeu et je tombe directement sur ça. Pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai une grosse sulfateuse, d'accord, ok. Là 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 là. Touche par mes potes, toi. En tout cas, j'espère que vous allez bien les gens, j'espère que ça va vous faire plaisir, un petit Battlefield. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui sur un FPS, ça fait très longtemps, très longtemps que je vous avais pas proposé ça sur ma chaîne. Même voire jamais sur cette nouvelle chaîne. En tout cas, moi je suis content. Je vais crever déjà, c'est cool, c'est très cool. Faut que je fasse attention, m'accroupir, d'accord. Ok, c'est bon, ça va mieux. Je voulais vous proposer du Call of Duty, mais bon voilà, en fait je suis pas trop un joueur de Call of Duty. Donc ce que je peux vous proposer, putain y'a une grenade. Ce que je peux, wouah, il a volé. Ce que je peux vous proposer, c'est du mode zombie. Après, si ça vous intéresse pas, bah écoutez, tant pis, hein, je le garderai pour moi. Mais Battlefield, c'est juste un jeu exceptionnel. C'est incroyable. Regardez-moi ces graphismes, ils sont trop beaux. Le bruit des armes est magnifique. C'est réaliste, c'est... Oh, c'est trop beau, bordel de merde. Je vais lâcher ma petite larme. Allez, venez, 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 venez. Alors, bien sûr, ça sera un petit... je sais pas si ça sera une aventure suivie sur à peu près tous les niveaux du jeu. Hein, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, je peux vous dire que du mode online, il y en aura énormément. Il y aura même que ça, pratiquement. J'ai envie de renouveler ma chaîne, voilà, c'est une chaîne consacrée aux jeux d'horreur et à vous faire rire, à vous divertir un maximum. Et bien j'ai envie de faire aussi du Battlefield, j'ai plus d'armes, ça pue du cul. Ça pue du cul, est-ce que je peux récupérer une arme? Je ne sais pas, écoutez. Oh derrière, derrière, ah non non, c'est mes alliés, je tire sur mes alliés, ok, moi je suis trop un bon pote. Conservez votre position, t'inquiète pas. Donc on joue un quebla, hein. Et voilà, vous inquiétez pas, des jeux d'horreur, il y en aura toujours, hein. C'est quand même le but principal de ma chaîne. Ouah, lance-flamme, je vais crever. Je vais crever, non, je ne peux pas mourir. Cours, Brendan. Cours. Brendan, imaginez-vous, il s'appelle Brendan. Pour ceux qui ne savent pas, tous les personnages dans les jeux, quand je galère un truc comme ça, je l'appelle Brendan. Ok, ça va mieux, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est inspiré de faits réels, bien évidemment. Une arme. R, d'accord. Faut que je reste appuyé sur R. Ah, E. Ah, d'accord, c'est ça, pour changer d'arme. Mais j'ai pas de munitions, d'accord, ok, c'est parti, allez. Ok, je sais pas combien de temps je dois tenir. Cette arme est cool. Je sais pas trop ce que c'est, mais cette arme est cool. Non, 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 le lance-flamme. Qui est... Qu'est-ce qui s'est passé? Henry Wilcox.
1892-1918, je suis mort, ok. Pensant que cette guerre serait notre rite de passage, notre grande aventure. Et là, on va jouer quelqu'un d'autre, c'est ça? D'accord, ok. Alors, si c'est ce que je pense, on va faire plusieurs séquences. Et à un moment donné, on va être obligé de mourir, ou pas. Et on va jouer plusieurs personnages. C'est comme un tuto, pour un peu nous apprendre à utiliser tous les éléments du jeu, je pense. On va sûrement tomber sur un avion. Ça serait cool. Enfin, cool pour vous, parce que vous allez bien vous fendre la gueule, étant donné que je ne sais pas rouler, conduire des avions. Dans les autres Battlefield, j'étais vraiment très mauvais à ça. Ah, mon pote. Allez, viens, je te défonce. Wesh, le gars, il est immortel, quoi. Wow. Ok. Alors, toi, ce jeu est trop beau. Il est trop beau, bordel de merde. Non, laisse mon pote. Ok, on y va. Allez, les gars. Faut y aller. Faut aller à l'église, il a dit. Hop. Oh, putain. Oh, j'adore ce fusil à pompe. Oh, j'adore. Ok, donc moi j'ai hâte de faire le mode online. Je viens de le télécharger le jeu, je viens tout juste de le télécharger. Je suis super content, je suis tout excité, je suis trop content parce que c'est Battlefield quand même. C'est le meilleur FPS qui existe dans le monde entier. Et là tous les joueurs de Call of Duty vont me détester, ben oui bien entendu. Non mais Call of Duty c'est pas un jeu que j'apprécie pas, c'est que... Je vais mourir mais merde. Bon de toute façon c'est fait exprès, si j'ai bien compris, hop dans ta gueule. Allez bam, bim. Le mec ne perd pas l'équilibre. Je lui mets des tonnes de balles de fusée à pompe dans la gueule. Le mec, no stress, il bouge pas. Oui, je l'ai eu. Oh! Ok. Est-ce que je peux. Oh putain, je peux marcher là-dessus? Ça pleut par les fenêtres? Bah prends un parapluie! Bim! 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 Il y a encore un gars avec un lance-flamme. Oh putain! Corps à corps F! Allez! T'as rien compris, mon gars! Par contre, je vais mourir. Et j'ai une pelle dans la main. Et il y a un mec encore avec un lance-flamme. Bim! Je tue un gars avec un lance-flamme avec une pelle! Mais je m'en fous de la pelle. Donne-moi une arme. Voilà, mon fusil à pompe. Est-ce qu'il est mort? Il a l'air de... Je pense qu'il va exploser. Wow. En tout cas, ça tient bien le coup, hein. Allez, j'ai des grenades. En appuyant sur G, donc comme dans tous les FPS, G c'est grenade. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. Hein. Je le répéterai tout le temps. J'espère que ça vous fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si, bah, vous êtes content. Voilà, tout simplement. Oh, headshot. Oh merde, mais lui, ça n'a... Ok. Mince. En fait, je vais tirer dessus. Et comme je l'ai pas tué, je pensais que c'était un allié du coup. Edmund Hempstead, 1885-1918. Une nouvelle machine de mort, comme les chars, ont modifié la guerre du jour au lendemain. Heureusement, la plupart étaient dans notre camp. La plupart. Oh, yes. Oh, pardon. Je vais tous les buter. D'accord, l'infanterie compte sur nous. C'est parti. Bah alors, t'es triste? Ok, alors là, le mec là, je vais le déglingue. Bim! Je sais pas si c'est moi qui l'ai eu, mais... Ma balle, en tout cas, l'a traversé. Enfin, en tout cas, ma roquette. Wouah, les avions... Et c'est trop bien fait, mais c'est trop beau, putain! J'espère que vous voyez bien, parce que YouTube sature énormément. Mais normalement, ça devrait aller. Oh, alors ça, c'est beau, ça. Petite mitraillette. Enfin, petite mitraillette. Grosse mitraillette, hein, plutôt, parce que voilà. Pour le roi et la patrie. Je suis à fond dedans, les gens, c'est un truc de ouf. Je suis en train de... d'avoir une érection actuellement, étant donné que ce jeu est magnifique. Voilà. Vous pouvez faire un montage vidéo avec ce que je viens de dire. Je vous empêche pas, hein, écoutez. Je kiffe. Oh, voilà, le mec il était assis tranquille. Quelle chose. Excusez-moi, je suis un peu malade. Quel canon. Moi je veux bien mon gars, mais... Il n'y a pas de canon, à moins que je suis bigleux. Si vous vous voyez, je suis désolé, mais moi je ne le vois pas, je suis bigleux. Ah. Ça. Ok, oula. Merci, j'ai fait ça toute ma vie. C'est stylé. Donc si en ligne, les tanks c'est comme ça, c'est un truc de dingue. Ce qui m'étonnerait pas. Et il faut savoir, c'est qu'en ligne, pour les personnes qui ne connaissent pas Battlefield, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, là vous vous dites c'est le mode campagne.
qui est magnifique. Est-ce que le mode en ligne est aussi beau? Oui, le mode en ligne est aussi beau. Et il y a plus de choses. Parce que dans une partie, on peut utiliser des avions, des chars, patati patata, des hélicos. Ah non, pas des hélicos du coup. Parce que c'est dans... C'est très très vieux, il n'y avait pas encore d'hélicoptère, je pense, à cette époque. J'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semble qu'il n'y en avait pas. Brian, je sais pas, j'ai même pas pu lire, étant donné qu'il y a trop d'effets sur mon écran. Le mec qui se plaint encore. En guise d'aventure, nous avons connu la peur. La peur. Car à la guerre, nous sommes tous égaux devant la mort. D'accord. C'est un ennemi, lui? Oui, c'est un ennemi, d'accord. Ah oui, mes alliés ont des points bleus sur leur tête. Très bien, alors toi, t'es un ennemi? Ok. C'est parti! Alors le corps à corps, c'est F, c'est ça? Boum, j'ai une pelle. Qu'est-ce que je fais avec une pelle dans la poche? Toi. Donc apparemment... Je suis déjà mort? Ok. J'interprète un autre personnage directement avec un fusil. On dirait le M14. Je sais pas, il y a pas le nom des armes. Enfin, il y a sûrement le nom des armes, mais... Là, attendez, je vais regarder pour vous. Non, il n'y a pas le nom des armes, donc à moins que c'est moi qui fais une connerie, mais en tout cas, il n'y a pas marqué. Oh là là, ce jeu est magnifique. Oh, ce jeu est magnifique, putain de merde. Regardez-moi ça, même dans le ciel, ça s'affronte. Oh, le dirigeable. Oh là là, il va s'écraser. Ouh, ça va faire du boucan, ça va faire du boucan. Ta gueule. Ta gueule. Oh là là. Oh, frag movie, la frag movie, la frag movie. Oh my god, c'est trop, trop beau. C'est magnifique. Et regardez, mon arme a de la boue, elle est sale. C'est super bien fait. Je crois que je suis amoureux. Alors ma chaîne là va être principalement en ce moment, je pense, sur Battlefield. J'espère que ça va vous faire plaisir. Pour les personnes qui me connaissent pas et qui tombent pour la première fois sur cette vidéo, hein, j'ai 600 abonnés, je viens de les avoir, donc merci à vous. Je réalise énormément de vidéos sur des jeux d'horreur principalement, des unboxings, des vidéos parodiques. Et là maintenant, je vais recommencer les FPS. Ce mec là est juste trop fort. Petite grenade dans la gueule, une autre grenade. Il va la ricocher, c'est pas cool. Oula, c'est bon. Allez, j'ai pas envie de mourir. Faut que je fasse attention, apparemment faut que je tienne ma position. Hop là, putain, et sur clavier c'est quand même mille fois mieux que sur manette, hein. J'avais branché ma manette qui se trouve... Bah je sais plus, elle est quelque part par là. J'interprète un autre personnage encore, ok. Wow, qu'est-ce qui se passe? Ouh, c'est un bombardement ça. De mon équipe, je sais pas, mais en tout cas c'est un gros bombardement. Et je vois tout en ralenti. Ok, alors pourquoi l'arme de corps à corps, c'est une pelle pour tout le monde? Ok, l'artillerie. Donc si c'est mon équipe, ils m'ont un petit peu tué, quoi. Petite cinématique, les cinématiques sont magnifiques. J'ai rien à redire là-dessus, hein, c'est vraiment trop beau. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, mais c'est magnifique. Il pousse. On pousse. On pousse. Pousse. De temps en temps, on pousse assez fort pour que la lumière perce à travers les nuages. Tu parles de quelqu'un en train de chier? Et on voit briller un monde au-delà de la guerre, juste hors de... En tout cas, c'est beau. C'est une belle image qu'on voit là. Waouh. Putain, ce que c'est beau. Ce que c'est beau. Mais ce que c'est beau, bordel. Ces gens à la fois blasés et naïfs. Oh putain, je kiffe. Oh, à la fois homme d'honneur. Je suis en kiff, les gens, c'est incroyable. Nous sommes des légendes à venir et des oubliés de l'histoire. Nous sommes les chevaliers des cieux, les fantômes du désert et les rats dans la boue. Pardon. Voilà nos histoires. Donc d'après ce que j'ai compris, voilà, je le dis maintenant. Il y aura plusieurs histoires en fait. Pas juste pour une personne apparemment, c'est pour plusieurs personnes. Là on a fait un prologue, entre guillemets on va dire. Et il y aura une autre histoire, on va jouer un autre personnage, une autre histoire, on va jouer un autre personnage. Et c'est à nous de choisir en fait. Je sais pas s'il y a une suite. Je sais pas s'il y a une suite. Du coup, tempête d'acier, des amis haut placés. D'accord. Alors là je pense que c'est une histoire pour chaque personnage. Vous voyez, ça c'est un mec avec un chapeau. Ça c'est un gars, je sais pas qui c'est, voyez-vous. Nous on a joué ça apparemment. Et j'ai débloqué toutes les premières missions des autres personnages, qui a l'air plutôt pas mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Purée, je kiffe ma race. Je kiffe ma race, voilà, je le dis, je kiffe. C'est un putain de bon jeu de malade mental.
On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si ça sera directement sur ce jeu, mais en tout cas, très prochainement, on se retrouvera sur ce jeu avec quelqu'un en ligne, je ne sais pas, on verra ça. Ou peut-être tout seul pour une vidéo découverte, écoutez. En tout cas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine, mes amis, et à plus. I've watched the world go by.